Et bonjour tout le monde. Bonjour. Nathan vous dit bonjour. J'espère que vous allez bien. Ici ça va. Je vous retrouve pour une vidéo très spéciale et chère à mon cœur parce que vous savez que moi j'ai une grande bouche. Des fois je fais mes coups de sang, je donne mes avis, etc. Mais j'ai quand même un grand cœur. Et en créant ma chaîne, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, YouTube, j'ai pu rencontrer des personnes que je pense, honnêtement, dans la vraie vie, je n'aurais jamais rencontrées. On se serait croisés, mais je suis sûre qu'il n'y aurait pas eu un match. Et en fait, grâce à ma chaîne, j'ai rencontré des personnes magnifiques avec qui j'échange régulièrement, des youtubeurs, des non-youtubeurs, etc. Et voilà, dont la personne qui m'a envoyé ce colis, donc cette personne, c'est Kevin, qui est un peu mon double au masculin. Voilà, et il m'a envoyé un colis. Donc, je l'ai récupéré hier. J'ai attendu de pouvoir être au sol, parce qu'hier soir, il y avait des enfants, plus une copine de Tristan. Enfin, bon, bref. Et en plus, j'avais une migraine. Mais je me suis dit que j'allais attendre de l'ouvrir au moment opportun. Voilà, donc là, je suis avec Nathan, qui va découvrir avec moi ce qu'il y a dans le colis, qui trépigne également. Alors, on va y aller. Donc, Kevin, je ne sais pas ce qu'il y a dans le colis. Je l'ai juste ouvert, et moi, je me suis permis de lire la carte, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans le colis. La carte, je vais la garder pour moi, mais sache que ton message m'a beaucoup touchée, que bien évidemment, j'ai eu la larme à l'œil, donc merci infiniment. Alors, il est possible que je verse ma larme, ne m'envoyez pas, hein, je suis quand même émotive hein, comme fille, même si j'ai une grande bouche. Voilà, allez, on y va. On ouvre, Nathan ? Alors, en plus, t'as bien fait ça avec le papier pour protéger. Alors, le colis était hyper lourd, je sais pas si vous voyez... Il est énorme le truc, vous voyez, avec ma main. Donc on va y aller. On y va, on ouvre. Oui. Oh, qu'est-ce qu'il y a dedans? Un gilet. Un gilet? Oui. Je pense pas qu'il y ait un gilet. Oh là là, ah, il y a même des choses pour les loulous. Alors, attendez. Donc ça, je suppose que c'est pour les enfants. Vous allez entendre la réaction de Nathan. Qu'est-ce que... Regarde Nathan, c'est quoi ça? C'est... Qu'est-ce que c'est? C'est pour faire de la... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans la main? Le petit garçon, un pain? Un pinceau. Tu vas faire de la peinture? Oui. Ouais. Je lui laisse. Il est fasciné, là. Trop mignon. Ah bah attends, il veut l'ouvrir. On va l'ouvrir après. Donc, des petits kits... Bah, c'est trop gentil, des petits kits de décoration. En plus, c'est pour faire des... Parce que il y a quoi comme couleur? Bah, rouge, vert, jaune, bleu. Je suis en train de réaliser, en fait, c'est pour faire des boules pour le sapin. C'est trop mignon. C'est trop une bonne idée, ça. Ah, ça, ils seront trop contents. Je parle pour les deux grands. Je vois que Nathan, il essaie déjà de l'ouvrir. Il essaie de l'ouvrir, un petit chouchou. Ils vont être trop contents. Et puis, Kevin, entre nous, ça va me faire un peu de répit aussi. Ça leur fera une activité. Comment ça, merci pour eux et merci pour moi. Mais... Ah, alors ça, c'est trop drôle. Attends, n'ouvre pas, regarde. Regarde, parce qu'il y a plein de choses à regarder. On va regarder. Ça, tu savais pas. Enfin, c'est énorme. Parce qu'on est déjà allé en Corse, on est allé à Propriano. Tu crois que t'as dit? Regarde, regarde ce qu'il y a dans le colis. On est déjà là en Corse à Propriano avec Chéri et il a pété un plomb sur ses canistrelli, on en avait ramené des tonnes. Je pense que tu feras... Alors, j'essaierai de faire une petite insertion pour qu'il te remercie parce que c'est un des biscuits favoris de Chéri. Je sais que c'est hyper croquant, il l'adore. Alors là, tu vas faire vraiment un heureux. Bon, accessoirement, moi aussi, hein, mais... Je pense que Chéri va bouffer le paquet, mais bon, je m'en garderai un ou deux de côté. Alors ça, tu as tapé vraiment dans le mille. Dans le mille. Je ne sais pas par quoi commencer, par quoi continuer. Oh, c'est énorme. Charles Antonin. C'est les... Oui, on avait acheté aussi cette marque-là. Regarde. Confiture extra de Corse, c'est quoi ça? C'est... Pêche abricot. Oui. Ouh, on va se régaler. t'as mis beaucoup de choses, hein. Ça me gêne. Oh, ah, ça c'est pour moi. Canistrelli aux figues.
Sartène. On était allé à Sartène aussi, la petite ville super. C'est trop mignon parce que tu vas faire, tu me fais remonter des souvenirs et je pense que tu vas, ça va faire la même chose, la chérie. Je vais, une fois que j'aurai fini la vidéo, je vais refermer le paquet et je vais le laisser découvrir. Je suis sûre qu'il sera super. Ouais, c'est obligé parce que. Bah, bref, je ne m'avance pas, mais bon. Alors, les filles, ça fait partie de mes fruits préférés, donc ceux-là, ils vont être pour Bibi. Hein. Donc, à chaque fois que je prendrai mon café, parce que moi, j'aime bien avec le café prendre un petit chocolat, enfin un truc, je prendrai un canistrelli à la fille et je penserai à toi. Je salue. Je ne sais pas si vous entendez. La fille, elle voit la bouche. Accessoirement, il est 10h48. Je continue. Je ne sais pas par quoi. Ah! Ça, je sais. Ça, c'est le fameux parfum dont tu m'avais parlé et que j'ai jamais trouvé dans mon action. Donc, je ferai un test. Je le garde. Attends. Ça sent bon. Je le ferai après parce que comme j'ai Nathan juste à côté, je ne veux pas lui mettre le spray dans les naseaux. Mais trop sympa. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Moi, je ne connaissais pas du tout cette marque-là, ces parfums d'intérieur. Et je sais que moi, tu m'avais dit, mais je les ai pas dans mon action. Enfin, après, j'y vais pas toutes les semaines, mais... De quoi? Toi, tu connais? D'accord. Alors, attends, parce qu'il m'a dit les bougies boîte noire et les fondants dans le sac sont faites... Alors, attends. Je vais les garder en dernier, ça. Ça, je vais les garder en dernier. Oh bah, vraiment, ça me gêne vraiment, hein. Donc voilà, c'est un roll-on, huile prodigieuse, Nuxe. En plus, c'est vraiment une marque super sympa. Et tu sais pas, tu sais pas, mais pour mon anniversaire, j'ai mis dans ma liste pour mes parents, parce qu'ils savent jamais quoi, trop mignon, j'adore. En plus, ça sent bon, même sans avoir été, ça sent super bon. Ça sent comme ça sent bon. Ça sent bon. C'est validé par Nathan. J'adore. C'est une de mes marques préférées. Je m'étais acheté une petite... je vous raconte. Je vais arrêter parce que je vais vous raconter. Je vais rester sur le colis et arrêter de raconter ma vie. Mais pour info, mes parents, mes soeurs, ils ne savent jamais quoi m'acheter pour mon anniversaire. Et j'ai mis dans ma liste d'anniversaire la fameuse crème fraîche de Nuxe. Donc, t'as tapé dans le mille. Franchement, Kevin, je suis... parce que je vois certains trucs en amont et vraiment, j'avoue que je suis gênée. Donc ça, c'est les fameuses éponges que j'ai jamais réussi à trouver non plus dans mon action. Et en plus, on dirait qu'il y en a une en papillon. Regardez, c'est trop choupignon. Il y en a une en forme de papillon. Regarde l'éponge. Oh, les papillons. Ah, attends, il adore les papillons aussi. Hein. Il est comme ça, hein. Trop mignon. Alors ça, je vais m'empresser de les essayer parce que moi, j'avais acheté une sous-marque, je crois, qui était vraiment pas mal pour dégraisser les plats. Quand j'avais fait des gratins, des trucs comme ça, ça marchait super. Voilà. Voilà. Bon, je le tournais un peu parce que vous savez que Nathan, c'est un grand gourmand. Donc, vous voyez le truc. Bon, alors ça, je vais en donner aux enfants. Mais j'avoue que je vais m'en garder aussi. Et ce que je vais faire, c'est que les grands sticks, je vais en couper des petits morceaux. Et avec mon café, quand j'aurai fini les canistrelles à la figue, je me prendrai à la fin. Parce que moi, j'aime bien boire mon café et finir sur une touche sucrée. Et ça, moi, j'adore. Forcément, qui n'aime pas ça? Enfin, voilà. Bon, j'arrête parce que la salive revient. Donc, je vais le cacher. Là. Oh! Un savon à l'immortel. Alors, sache que moi, de l'immortel, j'en avais planté chez moi. Mais c'est incroyable. Je t'ai jamais parlé de ça en plus. Mais elle a fané. Et j'adore cette fleur. Donc, ça sera mon parfum. Je vais le monter dans ma salle de bain à l'étage quand je fais mes fameux blabla. Et ça sera le savon. Personne ne va toucher à ce savon-là. Ça, j'adore. J'adore. Enfin, j'adore tout d'ailleurs pour l'instant. De toute façon, j'adore tout. Hey, je vais boire mes cafés pendant 10 ans en pensant à toi.
ensuite, notre parfum cola. J'ai même pas dit d'ailleurs. Les parfums fraises, les autres. Et parfums cola. Ça, ça va vraiment faire des œufs. Moi, je vais prendre les colas. Et je vais laisser les fraises aux garçons. Oh, j'adore. Ça, c'est vraiment le genre de. C'est vraiment le genre de truc que j'achète jamais parce que je les aime. J'aime tellement ce genre de truc que moi, je suis capable de vous dézinguer la moitié du paquet en 10 minutes chrono. Hein. Donc, je vais respecter. Allez, vous êtes témoin. Je vais respecter ce que j'ai dit. Je vais couper les sticks en petits morceaux et j'en mangerai un par jour avec le café. Pas déconner quand même. Je sais pas ce que. Un parfum, Lancôme, noir hypnotique, hypnose. Je le connais pas celui-là. Attends, je le sniffe. Bah, désolé, vous pouvez pas sentir. Non, c'est pas du tout un parfum, c'est un. Oh, c'est un mascara. Je dis n'importe quoi. C'est les. En fait, je suis tellement excitée comme une grosse gamine que voilà. C'est un mascara. Alors, c'est le premier mascara de ma vie, de marque que j'aurai. Parce que moi, j'ai jamais acheté de mascara de marque. Je ne sais pas si vous voyez. Oh, je suis désolée, c'est pas top à la luminosité. J'ai jamais acheté de mascara de marque, etc. Moi, j'ai des mascaras. Oh, attends, mon chat, j'attends, j'ai presque fini. Moi, pour moi, le mascara le plus cher que j'avais acheté, c'est de la marque Sephora. Donc, vous voyez le niveau. Donc, autant te dire que ton mascara, il va être utilisé avec délectation, parcimonie et que je vais vraiment en prendre soin. Bon. Alors, j'ose même pas commenter parce qu'en fait, je suis tellement gênée que vraiment, je sais pas quoi dire en fait. Je sais. Oh, t'as rien qu'à. Tu sens comme ça sent bon. Oh, ça sent bon. Rien qu'à l'ouverture de la boîte, l'odeur, j'adore. Donc un petit. Oh, bien en plus, moi j'aime bien les savons. Moi, oh, ça sent bon, un petit parfum. Alors ça, c'est par contre, les enfants, je vous adore, hein, papa aussi, mais tout ce qui est savon, etc., vous n'allez pas y toucher. Celui-là, c'est pareil, bah, Flower by Kenzo, je pense que tout le monde le connaît, mais moi, je ne l'ai jamais testé, je ne l'ai jamais senti. Et le Little Empica, c'est pareil. Ah, attendez, je m'étouffe. On essaie, j'essaie. Attends, hop. C'est de pas en mettre sur ma main. Je vais essayer de vous montrer. Bon, désolé, hein, j'ai un ongle sur deux qui est pété. Hein. Attends, je sens. C'est hyper. Ah, c'est gourmand. C'est hyper girly. Ça sent presque le. C'est une odeur. Mais j'ai jamais testé. Hein, parce que tout le monde connaît cette marque-là. Mais moi, je ne l'avais jamais essayé. Puis bon, moi, je ne vais jamais. Enfin, très rarement dans les magasins. Merci mille fois. Bah non, tu peux pas essayer, mon chat, c'est pour les grands. Hein? D'accord? Oui. Mmh, t'es gentil. Adorable. Bah, franchement. Allez, on va respirer un coup parce que ouais. Je vais respirer un coup, je vais te calmer. Mais tu m'as fait. Hé! Hey Mais je vais ressembler à Beyoncé. Franchement, mais je te jure, Kevin, à Noël, j'ai pas des cadeaux, j'ai pas des cadeaux comme ça, quoi. J'ai vraiment l'impression d'être trop gâtée, quoi. Biotherme Aqua Source gel hydratant. Tu veux voir? Tu veux voir, mais tu l'ouvres pas. Hein. Mmh. Tiens, tu regardes? Mmh. Oh, c'est tout un assortiment. Donc, allez, je vous montre et je dis rien parce qu'en fait, je suis un peu sans voix. Par rapport au colis. Donc, il y a des laits corporels. J'espère que vous allez bien voir. Avec mon ongle pété, ça m'énerve. Mais voilà. Tiens, regarde. Tu l'ouvres pas, mon doudou, hein, parce que j'en ai deux dedans. Tu vois, regarde. Gel hydratant pour ma peau mature. Bah ouais, j'ai des rides. Hein, que vous... Enfin, des ridules, je sais pas. Ah, Aqua Source. Regardez, Night Spa, baume nuit, triple effet pour hydrater, lisser et apaiser. Ah, ça, c'est vraiment le genre de truc. Tiens, tu donnes à maman? Merci. Moi, je mets de la crème de nuit, mais vraiment de la crème de nuit basique de chez Basique. Je prends la crème. Ou alors, je me fais offrir des crèmes à mon anniversaire en résumé. Et ça, c'est vraiment le genre de truc que
que moi j'achèterai jamais quoi. Donc c'est trop gentil Kevin parce que ça va vraiment me permettre de tester. Puis regarde, en plus c'est trop mignon. Regardez. Alors, je sais pas s'il voit bien. J'espère que vous voyez bien. Soit régénérant fondamental. Bah je te prête mon chien, mais tu l'ouvres pas. Voilà, j'adore. En plus avec la trousse. Toi, tu vas vraiment faire partie de mon quotidien. Enfin, tu fais déjà partie de mon quotidien en fait, avec tous les échanges et tout. Enfin, tout ce que tu sais. Mais vraiment, c'est. Je suis vraiment émue, vraiment. Alors ça. C'est bleu. C'est un brûle parfum, enfin un brûle fondant, etc. Attends, oui c'est bleu, la crème. Ça c'est drôle parce que je voulais en acheter, je voulais acheter un truc comme ça. Et tu verras parce que tu as dû voir avant que je reçoive le truc que je parlais d'une fameuse bougie que j'ai commandée sur Amazon, une bougie Yankee Candle, là voilà. Et en fait, j'étais intéressée par les fondants. Mais moi, j'ai pas du tout ce. J'avais pas ce principe-là de brûle-parfum, de brûle-fondant. Donc, encore une fois, bah, tu touches vraiment dans le mille. Et comme quoi, j'ai bien fait de pas commander le reste. Parce que là, qu'est-ce que. Oh, regarde comme c'est mignon. Regarde comme c'est mignon. Attends. Il y a des petites bougies chauffe-plat. Et regarde, Nathan. Enfin, regarde, Nathan, il m'a mis. Enfin, regarde, Nathan, regardez les gens plutôt. Regarde, c'est trop mignon. C'est trop joli, j'adore. Moi, j'adore les trucs comme ça. Regarde, Nathan. Regarde que c'est mignon. Ça sent bon. Il a 2 ans, donc il n'est pas encore influencé. Et ça sent super bon, ça sent... Ouais, ça sent une odeur de propre, je sais pas comment... Ah, fleur de coton. Est-ce que c'est l'odeur? Parce que oui, je trouve que ça sent une odeur, oui, de propre, de... Oui, fleur de coton. Bah, je pense que c'est l'odeur. Ça sent trop, trop bon. Et alors ça, apparemment, si je reprends ta carte, j'essaie de garder le meilleur pour la fin. Les bougies boîte noire et les fondants. Le sac. Sauf chauffe-plat sont faites par moi. Donc, c'est toi qui les as fait. Alors, on va... Alors, tout ce que j'ai déballé, j'adore. Enfin, c'est trop mignon. Mais alors là où ça me touche particulièrement, c'est ça. Donc, alors, mais je savais pas, tu m'avais pas dit que tu faisais des bougies en plus, Kevin. Regardez. En plus, c'est trop joli. Et tu sais quoi? Tu pourrais les vendre. Alors, je sniffe. Excusez-moi, vous pouvez pas sentir l'odeur, mais je me permets. Boîte sans taille. Ah, ça sent bon. Attendez, Nathan veut sentir. Tu sens? Ça sent bon. Ça sent bon. C'est l'intérêt d'avoir un petit à côté, c'est que c'est l'honnêteté pure, c'est l'innocence, quoi, hein, les enfants. Air frais. Ah! Le nom m'interpelle. Ah ouais. Oui. Je peux pas sniffer depuis 30 secondes. Tu sens? Oui. Alors? Ça sent bon. Je continue. Oh, mon œil de... Ah bah celui-là. Forcément, je vais adorer. Moi, j'adore. Oh. J'adore. Mmh. Ah bah ouais, maman, elle adore. J'adore. Mais ouais. C'est drôle parce que j'ai reçu une pub Yves Rocher. Il y avait des pubs pour le fameux... Tu sais, moi, j'adore l'odeur du mon œil et la gamme Yves Rocher. J'ai bien fait de résister. J'aurais du mon œil dans les narines. Et alors, le dernier, ouais, c'est le dernier article, entre guillemets, si je peux dire, musc blanc, bah, une de mes odeurs préférées. Mais je ne sais pas si j'en parle dans mes vidéos ou si c'est le hasard qui fait que tu as ciblé. Je me pose la question si c'est moi qui ai parlé dans mes vidéos et que tu as retenu ce que j'ai dit ou si c'est vraiment le hasard qui fait que, parce que à chaque article que je découvre, tu as tapé dans le mille. C'est incroyable. Oh, j'adore. Oh, ça sent bon. Tu sens. Tu fais comme ça. Voilà, devant tout. Ça sent bon. Ça casse. Ça casse? Ah ouais, ça, il faut faire attention. C'est maman. Et ça casse et ça brûle les bouts. Les bougies. Hein. Voilà, bon, écoutez, j'ai déballé avec vous le colis. J'ai essayé de garder mon sang-froid et mon calme pour pas passer pour la grosse cinglée qui déballe son colis et qui se met... à pleurer, mais vraiment Kevin, ça me touche beaucoup et ça me touche particulièrement en ce moment, tu sauras pourquoi. Voilà, donc je te remercie infiniment.
À tout à l'heure. Voilà. Donc, je vais arrêter parce que je vais me mettre à pleurer. Donc, je te remercie beaucoup. À tout à l'heure. Oui, je suis émotive. Donc, Kevin, je te remercie beaucoup. Pour tout ça, c'est très très gentil. À tout à l'heure. Je vais arrêter la vidéo parce que je ne vais pas arriver à la clôturer. Donc, je te remercie infiniment. Je te fais des gros bisous. Et puis, pour les autres abonnés, bah, excusez-moi. Et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, des bisous. Bye bye.